À l'occasion de la sortie du hors série du point sur la méthode de Singapour pour les maths, nous avons demandé à la spécialiste Monique Nigoy de nous expliquer en quoi la méthode fonctionnait bien. Dans la méthode de Singapour, la division est abordée dès le départ sous ces deux modèles, la division partition et la division cotition, alors que traditionnellement en France, les écoliers ne connaissent que la division partition. Pourtant, aucune n'est plus difficile que l'autre. Dans le premier cas, la division partition, on demande à des élèves de partager 15 bonbons entre trois enfants. Ils vont donc manipuler, puisque c'est un point essentiel de la méthode de Singapour, des petits cubes pour représenter les bonbons et les élèves. Ils partageront donc leurs 15 bonbons entre trois élèves, symbolisés ici par des verres. Ils obtiendront donc le résultat de la division partition. 15 bonbons divisés par 3 enfants égale 5 bonbons par personne. Dans un deuxième temps, les élèves vont devoir aborder la division cotition, ce qui se fera sans absolument aucune difficulté. Ils vont recommencer l'exercice sous une forme légèrement différente. On va demander aux élèves à combien d'enfants puis-je distribuer des sachets de 3 bonbons sachant que j'ai 15 bonbons. Ils vont donc faire des petits tas de 3 bonbons et les partager. Ils auront donc le résultat de la division 15 divisé par 3 bonbons égale 5 sachets. Retrouvez d'autres exercices dans le hors-série du point sur la méthode de Singapour pour repousser vos limites mathématiques.